Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Satisfaisant. En plus de l'objectif d'atteindre 100 000 koulounas, l'opération
parce qu'il entend tellement extrêmement tranquille, il s'est dépassé de bornes, mais je pense qu'il est mort. Selon nos informations, quand moi j'ai, s'agissant des enfants mineurs, Fifi Masuka Saini a annoncé qu'une trentaine d'entre eux ont été acheminés dans les centres d'encadrement du Lualaba, notamment la maison d'accueil Kouetou et chez Maman Tabita sur la route Kazembe dans le territoire de Moutiatia. À travers cette démarche, le gouvernement provincial entend mettre fin au phénomène enfants de la rue en garantissant leur avenir. On n'a pas ramassé les enfants d'une année. On n'a pas ramassé les enfants de 2 ans. Ces enfants qui étaient là, ce sont des enfants de 7, 8, 9, 10 ans. Et ces enfants sont encore là. Certains parents, les parents qui ont réellement le souci de leurs enfants, sont passés pour récupérer ceux-là qui pouvaient récupérer. Ce sont ces enfants qui sont là-bas, qui sont chez Père Damien. Et le fond, les deux fonds sont chez Tabita. Un programme rétablissant l'admissibilité de l'RDC aux préférences commerciales offertes par la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique. Pour ce faire, une délégation d'hommes d'affaires séjourne à Dallas, aux États-Unis, pour sensibiliser la diaspora congolaise et les producteurs sur
l'innovation, dont les intervenants à cette journée scientifique ont plaidé pour l'intervention, la complémentarité et la collaboration dans les domaines de la recherche ainsi que la création des ressources. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'innovation. S'il n'y a pas d'innovation, donc nous avons organisé cette quatrième journée en fonction de ça. Nous avons dans nos maquettes de formation prévu des projets tutorés. Donc, des développements scientifiques que nos étudiants en scientifique feront pour apporter quelque chose dans la résolution des problèmes dans la communauté. En plus de la mise en place du logiciel anti-plagiat dont l'ISTAM Kinshasa vient de se doter, l'humanisation de soins et services de santé, ainsi que la manipulation des appareils d'imagerie médicale devront faire l'objet d'innovation dans cet alma mater. L'ISTAM Kinshasa vise donc l'excellence. Rendons-nous de la province du Kasaï-Oriental pour vous parler de ce plaidoyer mené en vue de l'amélioration du système de vaccination contre la poliomyélite. Les députés provinciaux, la société civile et le personnel du programme élargi de vaccination ont été invités à cette activité. Regardez. Le programme élargi de vaccination a organisé mardi 2 août dans la salle des plénières de l'Assemblée provinciale une séance de plaidoyer en faveur de l'amélioration du système de vaccination au Kasaï-Oriental. La cérémonie a été présidée par le ministre provincial de la Santé, Bayamou Joadito, en présence des députés provinciaux, des organisations de la société civile et des responsables du secteur de la santé. Le chef des services de communication de PEV, David Olila, qui a conduit la délégation venue de Kinshasa, a défini l'objectif de ce plaidoyer comme étant et suivi des engagements de la déclaration de Kinshasa en faveur de la vaccination et de l'éradication des poliomyélites dans les provinces de l'Omami et du Kasaï-Oriental, avec l'appui technique et financier des services centraux. Il a plaidé pour l'amélioration des systèmes de vaccination. Il était question au niveau national que nous soyons disponibilisés des vaccins de qualité pour se lancer en réalisation des vaccins. Et au niveau national, c'est ce qui est fait. Et c'est performance pour nous aussi, au niveau provincial. Le député provincial Junior Moutemba a pris l'engagement de porter des propositions d'éthique. Nous avons pris l'engagement et les députés de la session prochaine. Et le gouvernement provincial, d'accueillir les ministres de la Santé, ils nous amènent déjà les projets d'éthique et la vaccination, parce que c'est une matière beaucoup plus technique. Le ministre provincial de la Santé, Bayamou Joadito, pour sa part, s'est dit satisfait de ses plaidoyers. Les réfugiés congolais ont quitté l'installation des réfugiés de Lovoa dans la province angolaise de Bunda Nord dernièrement. Ils rentrent volontairement au pays et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés veille à ce que cela se passe en toute sécurité. Images et commentaires. Applaudissements, rires de joie, embrassades, discours de bienvenue, plein d'émotions. C'est dans cette ambiance de gaieté que les Congolais qui avaient trouvé refuge dans la République sœur d'Angola à cause des troubles dus au phénomène Kamuina Nsapu ont pu regagner volontairement et dans la dignité la République démocratique du Congo via les postes frontaliers de Kamako où les autorités provinciales s'étaient déplacées spécialement pour leur accueil. Bienvenue dans votre pays. C'est... Nous vous promettons qu'à ce jour, votre pays est calme. Vous serez dans vos milliers, vous serez accueillis par vos frères et sœurs si vous avez le soutien. Dans un discours émouvant, Mme Sandrine Desamour, chef de bureau UNHCR pour les Kassai, leur a souhaité la bienvenue sur la terre de leurs ancêtres et a parlé des mesures prises par le ACR pour faciliter leur réintégration sociale. 544 sont parmi à peu près 700 personnes qui ont déjà manifesté leur vouloir ou leur envie ou leur désir de vouloir retrouver leur terre natale. À la fois, à ces 544, il faudrait aussi se rappeler que nous avons déjà assisté 2911 Congolais déjà à retourner de manière organisée.
chauffage électrique, à la pénurie d'eau potable et un manque criant d'infrastructures routières pouvant désenclaver ce quartier. Un constat malheureux fait par notre confrère Pierre Moumissa a été dans ce dossier. La commune de Nzanza, l'une des trois municipalités que compte la ville porteur de matériaux comme au central, chef Abou, qui est connu sous la dénomination de Biwewe, est une périphérie qui se trouve en avant du célèbre site touristique Belvedere et il est borné par la jonction des eaux du majestueux fleuve Congo avec la rivière Bozo, un coin qui est victime d'un enclavement territorial criant. Ne souffrant pas manque de voie d'accès, les véhicules n'arrivent presque pas à Biwewe et les motocyclistes ont du mal à emprunter cette route qui va jusqu'au rond-point Belvedere. Je suis en pied avec la guicoulée sur la main. Quelle souffrance! Cette route qui avait reçu le chef de l'État se détériore au jour le jour. On a du mal à atteindre l'autre côté du quartier. Mais Vinina Moutigana, cette bourgade surpeuplée comprend quatre quartiers. Nzingalo Tete, Nsakala Nsimba, Nigwan Sakala et Banana. Et chaque quartier compte quatre cellules, dont les plus célèbres sont Tsele, Doko Doko, Télévision et Artisan. Chaque cellule a 18 avenues et chaque avenue compte une trentaine de parcelles. Avec ces statistiques foncières et territoriales, Biwewe qui compte l'une des fortes densités croissantes de Matadi, mais vit un contraste énergétique très paradoxal, car situé à quelques encablures de la centrale hydroélectrique de Bozo, c'est quoi un sérieux problème de dessert en eau potable et connaît un délestage électrique. Quartier Biwewe, il y a des quartiers aussi vraiment qui est vraiment en souffrance, quartier qui est vraiment réduit. Dans ces quartiers, nous n'avons pas de route, pas d'eau, pas de courant stable, une situation qui cause insécurité. Nous lançons un cri d'alarme. Le gouvernement congolais, au niveau central, mais aussi le gouvernement provincial. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'avez pas d'infrastructure, des bases conséquentes. Une difficulté sociale contournée par un avantage de la nature. Si on n'avait pas cette source d'eau, nous allions souffrir. Cette eau nous aide énormément, mais elle est insalubre. Ce puits dessert quatre quartiers, mais il est situé dans un endroit où l'eau est vraiment
abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.